Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ork PVP solo jour 4. Et ça y est, c'est la guerre. J'ai enfin trouvé une base à attaquer. Donc on va l'attaquer, on va la raid. Mais avant ça, il y a quelques petites préparations à faire. Alors déjà pour commencer, voilà, le bon lance-roquette. J'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est plutôt utile. On va tamer ça là. Des carbonémis, parce que c'est un dinosaure qui peut tanker les balles des tourelles. Et du coup je suis très content parce que ma base, mes deux bases, que ce soit sur The Iceland mais aussi sur Ragnarok, ne sont toujours pas pétées. Jour 4, personne ne m'a attaqué. Ah, donc c'est quand même un bon signe, hein. Quand même un bon signe, c'est-à-dire je suis bien caché. Alors pour raid, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on a déjà le bazooka qui est prêt. On va faire quelque chose qui est assez puissant pour raid, vous allez voir. On va faire un canon. Par contre ça coûte quand même la peau du cul, hein. Bon, en attendant on fait un petit peu de rangement. Ma base est quand même assez pratique, hein. Mine de rien, je suis assez content de ce que j'ai fait là sur Ragnarok. Elle est plutôt pas mal, hein, pour une base de farm. On va des tacs, je fais ça, j'envoie en haut, je monte, je saute, je fais ça, je mets ici, voilà. Bah, c'est quand même plutôt pas mal. Ah, il y en a un qui est tombé. Ah bah alors tu me contredis? Tu me contredis quand les gens me regardent? C'est ça l'idée? Bon, hein, 3 canons, 120 boulets de canon. Je pense que c'est quand même pas mal. On verra un peu l'impact que ça a. Et vous allez voir, comme ça permet de faire des raids extrêmement facilement. On va aller checker la base qu'on va attaquer quand même. Pour voir un peu les points faibles et tout ça. Voir si les joueurs sont connectés. On va camper un peu devant, on va voir ce que ça donne. Ouais, là je me suis suicidé, hein. C'est rien. C'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Alors ici aussi en bas, je crois que j'ai mon petit Doidecurus là. Qui forme de la pierre pour moi. Je sais pas où il est passé. J'espère qu'il s'est pas jeté dans l'eau, hein. Je sais pas où il est. Parce qu'il y a un Baryonyx en bas. Il est où le doé? Il est censé farmer de la pierre, mais il est plus là. Bon, bah tant pis, hein. Ok, nous sommes arrivés. La base est ici. Voilà, c'est là. Alors ne croyez pas que une grotte cachée, c'est un endroit caché. Parce qu'une grotte cachée, c'est tout simplement un endroit que tout le monde connaît. Donc lui, il a cru s'être caché. En fin de compte, il n'est pas caché, le bougre. Peut-être aller par là, ok. Voilà, elle est là. Vous voyez que là, il y a une tourelle déjà. Vous la voyez, la bougresse qui protège. Il y a des balles dedans, hein. Je m'en suis pris des balles. Alors ok, alors ici il y a une tourelle, après je vois pas s'il y en a d'autres. Peut-être essayer de passer de l'autre côté là-bas là. Là-bas ce serait peut-être mieux. Est-ce que je peux voir à travers le... Non je peux pas, hein. La montagne. Donc si je me mets par là-bas, on va tester la range. Ça c'est une petite tourelle, hein. Ça c'est une petite tourelle, elle est pas très violente comme tourelle. Donc on va tester la range, voir où est-ce que je peux me mettre. Alors, il n'y en a pas d'autres ici. Ok, là. Elle est où la tourelle? Elle est où la base en fait? Elle est là. Ok. Ah bah on peut voir tranquillement. Tribe of Papislav. Papislav? T'as qu'une tourelle, sérieux? Je pense qu'on va aller se régaler, hein, par ici, hein. On va vraiment aller se régaler. Et qu'une tourelle, elle a 3000 HP. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a les infos, hein. On va quand même continuer à faire un peu le tour. Voilà, au cas où on voit autre chose. Y a rien d'autre, hein. Hop là, on s'approche un peu. On a un casse-cou, nous, hein. Ouais, ouais. Elle a la range, ok. Donc ici c'est trop proche, donc on va se mettre plutôt là-bas. On va se mettre plutôt là-bas et on va tout simplement tout déglinguer. Ok, on arrive sur zone. Alors c'est par là-bas, la base elle est là. Moi je vais me mettre de ce côté. Comme ça à peu près par là, non pas par là, pas par là. Là. Alors est-ce que je peux poser des trucs? J'ai des sacs de coussage, ouais nickel. Yes, yes, bien sûr. Voilà, très bien. La tourelle elle est là, donc on va préparer le siège. Tac, tac. Voilà. Je vais poser mes fondas du coup par là. Est-ce que j'espère que je suis pas trop proche. Voilà, alors on va poser un petit canon. Petit canon, tac, comme ça. Elle est où la tourelle? Elle est là. Le canon c'est pratique pour les raid-off. C'est très compliqué à aligner, quoi. Je pense qu'on est pas mal, on va tester. On va tester un shoot. Tac. Tiens, prends ça. Alors. Voilà. Un peu trop bas, hein. Un peu trop bas. Alors on va viser un peu plus en haut.
Je crois que j'ai touché la tourelle. J'ai touché la tourelle. On est pas mal. On est pas mal là. Hein. Alors on va mettre d'autres. On va mettre d'autres. On va tester les carbos aussi. On va les envoyer, on en a, tant qu'à faire. Alors du coup on va viser un tout petit peu plus haut ici. Et logiquement ça devrait être bon. Ouah, je l'ai démoli, j'ai mis 1600. Allez paf. Voilà, bon bah les carbos elles vont vivre. Et voilà. Plus de tourelles. Ouah, c'est délire. C'est hyper fort, c'est abusé. Hein. Bah, les carbos, écoutez, elles auraient pas été utiles. Je pensais pas que ça allait faire autant de dégâts en vrai. Alors, tac, tu prends ça, tu prends tes boulets. Et tu tires. Oh bah, je suis con ou quoi? Oh non, ça prend le mur. Oui, c'est un poil plus efficace que les boulets de canon. Hein. Poil plus efficace, on va dire. Le générateur, il est là. Ok. Je vais m'approcher. Alors, on va prendre ça, on va le mettre. Lâche ta truc, là. Ok. J'ai tout cassé à l'intérieur. Hein. Y a pas de tourelle, j'ai l'impression. Il y avait qu'une tourelle. Alors qu'est-ce qu'il y avait? 66 balles. Ouais, bon, elle était vraiment pas protégée cette base. J'ai tout pété à l'intérieur. Alors lui. Oula, oulala, 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 oulala. On va pas y aller comme ça. On va y aller comme ça. Voilà, très bien. Et du coup, on va faire venir l'Argentavis. On va tout récupérer. Histoire de, si on se fait attaquer, sauver un maximum de stuff. Et on est prêt à partir. Direct, technique, The Patriot comme d'habitude. Vous connaissez. Hein. La guérilla et tout ça. Voilà, moi c'est plutôt mon dada. Hein. C'est plutôt mon dada. Je préfère faire des attaques éclairs, efficaces, rapides, que des longs sièges. Bon après c'est en off. Hein. C'est sûr que c'est en off. Bon, hein, on fait comme on peut. Hein. Comme on peut, on ramasse, ramasse les fondations, on se casse. Aucune trace. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Le bougre. Ah ouais, c'est un peu de la merde. Très déçu. Il était pas forcément... Ah ouais, ça c'est intéressant. Ça aussi. Bon, le métal on prend. Hein. Ouais, c'est un peu embêtant à farmer le métal, donc on prend. Ouais, ça on prend. Bon, la soie on va prendre, ça aussi on prend. Franchement, bon... C'est pas un énorme raid. Décomposition, cache, appartient à un générateur. On va le prendre. Là, il y a quoi, là? Alors là, c'est un truc où ça peut être intéressant, mais il n'y a pas grand-chose. On va prendre les perles. Oh, les roquettes, ça, c'est bien. Le pétrole, la poudre ici. Ça aussi, ça aussi. C'est quoi, ça? Spécimen X, on prend. Les murs et tout. Bah, je prends une cryo. Ça, c'est ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, c'est quoi? Minerai d'éléments. Vas-y, on va prendre aussi. Ça a l'air pas mal. Ça aussi, je prends... Celle de carbo, je m'en fous. Celle de doué, je m'en fous. Rhinocéros Leno, ça peut être pas mal. Ça, j'ai pas. Je crois pas, en tout cas. Ouais, câble électrique. Ça, je prends aussi. Bon, allez, la peau, je prends. C'est embêtant à faire. Voilà, ça aussi, je prends. Ça, c'est quoi, ça? Transfert tool. Ça, on s'en fout. Ok, très bien. Allez, tiens. Ok, alors ici. Oh là là, il a verrouillé. Mais il a verrouillé. Il faut pas verrouiller, enfin. Alors, il y a quoi ici, là? Tout est verrouillé. Voilà. Verrouillé, 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 verrouillé. C'est terrible, ça. C'est terrible. Il ne faut pas verrouiller les bases. Voilà. Je l'avais dit qu'il fallait pas verrouiller les bases. Tenant, résultat, tout est cassé. Ah, il y a encore les armoires, là. Elles ont tenu. Ah ouais, elles ont tenu le choc, les armoires. C'est dingue, ça. Oh. C'est quoi, ce bordel? Voilà, hein, c'est bon quoi. Merde. Bon, je suis d'accord que, bon, c'est pas une énorme base, hein. Le principe de la série, là, peut-être qu'il est pas trop respecté, mais bon, aussi, il ne faut pas verrouiller les bases, hein. Bon, ça, je prends. Vas-y, c'est bien. Ça, je prends aussi. Ok. Ça, je prends aussi. Bah, je veux... Vas-y, hein. Ouais, vas-y, je prends aussi. Tiens. Tiens, l'argile. Je vais prendre ça. Y a quoi, là? Prends, ça, je... Faut... Moi je prends tout, hein. Du caca. Bon, allez, on va le prendre. Ok, du caca.
Là, il y avait quoi? Il y avait que dalle dans les... Ouais, un petit peu d'essence. Ouais, bon, il n'y a plus rien. C'est fini. Je m'en fous. Ça, je prends parce que le métal, je galère à farmer. Ok. Et ça, c'est quoi, ça? Oula. Fallait mettre un coup de roquette. Est-ce qu'on peut le péter au... tranquillement à la pioche? Ouais, vas-y, on va le péter à la pioche. On va économiser une roquette. Oh, il y a quoi, là? Ah non. Faut pas verrouiller, hein. Faut pas verrouiller. Et là, il y a un petit peu stuff. Et c'est vraiment de la merde. Bon, écoutez, c'est terminé pour ce raid. Il a été beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que prévu. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Bon, j'avais pas testé avant. On va essayer de trouver d'autres bases. Mais c'est très dur à trouver. Vous voyez, par exemple, lui, dans cette grotte, si on connaît pas la grotte, on peut pas savoir qu'il y a une base ici. Donc là, je vais partir à la recherche de base, tout simplement. Puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc ceux qui ont apprécié, toujours pareil, le petit pouce bleu, vraiment, ça soutient. Donc faites-le, le pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. En plus, voilà, ça récompense un peu mon travail, donc c'est quand même cool. Le petit commentaire. Toujours pareil, ça soutient la chaîne, ça nous permet de discuter par rapport à la vidéo, et ça j'aime bien, vous connaissez. Bref, moi tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est tout le monde.